Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour le cinquième épisode de Dead Space. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, et donc on continue tout de suite notre aventure. Ça commence fort cet épisode, j'ai peur. Docteur Kyle, officier scientifique en chef au rapport. Les troubles de la colonie m'inquiètent beaucoup. Moi aussi, ça m'inquiète. Je pense que ces problèmes sont liés à la découverte du monolithe, mais la nature exacte de ce lien reste à établir. Près de 40% des colons présentent des symptômes de démence dégénérative. Les plus visibles sont les tendances dépressives, insomnie et hallucinations. Des réactions violentes allant même jusqu'au meurtre indiquent aussi une paranoïa extrême. Le docteur Mercer m'a conseillé d'en faire venir quelques-uns pour les étudier. Le docteur Wayland, psychiatre de la colonie, m'a indiqué que ces analyses ne l'ont mené nulle part. Je ne suis pas sûr que l'idée de Mercer soit la bonne, mais j'ai besoin de son aide. Nous devons trouver des réponses rapidement. Bah, je veux bien te croire. Alors, ça me fait... Qu'est-ce que c'est que ça? What? Ok, wow. Alors là, je ne peux pas avoir. What? N'approche pas. On recommence fort ce début d'épisode, hein, franchement. Code bien reçu, ils ont l'air bons. Dieu merci. Je vais fouiller dans les rapports du capitaine. Rendez-vous au tram, je vous contacte là-bas. D'accord. Je veux en savoir plus sur ce qui s'est passé ici. D'accord, ok. Alors eux, ils détruisent la vide comme ça, et puis moi, je peux même pas la détruire avec un coup de poing. La grosse arnaque, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ensanglanté, hein. Il y a un petit peu de sang un peu partout. C'est mignon tout plein. On se croirait dans un dessin animé pour enfants. Wow, hey, il m'a fait peur lui, il est fou. Je ne sais pas comment il a fait, mais un de ces salopards m'a trouvé. J'ai réussi à l'enfermer dans une capsule de sauvetage. J'annule le verrouillage tout de suite. J'ai accès au pont. Je ne sais pas bien ce que sont ces choses, mais elles viennent de la planète brisée en dessous. Ça a commencé en bas, puis s'est monté. Isaac, ce n'est pas infectieux. C'est une autre forme de vie étrangère. Merde, on a un gros problème. Les moteurs sont coupés et on dévie notre orbite. Rejoignez la zone d'ingénierie au plus vite. Je reste ici pour en savoir plus sur le problème. Ici l'officier médecin-chef Nicole Brennan. Est-ce que vous me recevez bien? Non. Nous avons besoin d'aide. Nous manquons de ressources ici pour traiter ces patients. Personne ne veut nous dire ce qui se passe. S'il plaît, nous ne sommes pas équipés pour soigner ces... Mettez-le sur la table. Tenez-le, bon sang. Tenez-le bien. Merde. Fin de transmission. D'accord. C'était Nicole. Je ne sais pas de quand date ce message. Mais elle doit être quelque part ici. Alors, le lance-flamme, s'il vous plaît. Je l'ai là, le lance-flamme. Le tramway Ishimura. Épisode 2, soins intensifs terminé. On a fini notre épisode 2, c'est bien. On avance. Arrivé en gare. Nous vous souhaitons une très bonne journée en compagnie des aliens. Merci, c'est gentil. Isaac, wow. On a deux problèmes et très peu de temps pour les résoudre. Ouais, bah pour le moment c'est d'abord, les moteurs sont à sec.
Ensuite, ouais, la centrifugeuse ne fonctionne plus du tout, ce qui fait quelques milliards de tonnes de roches qui nous tirent vers le bas. Il faudrait redémarrer la centrifugeuse, recharger le moteur principal et le relancer pour stabiliser notre orbite. Combustible. Alors, je pense que le combustible, ça doit être pour... Alors, attention, la révélation du siècle, votre lance-flamme. Alors là, je suis sûr que vous le saviez pas. On va me dire merci. Ah, il me fait trop pas confiance. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est Anderson. Il est fou. Il tâche ses dents. Anderson, arrête ça. Mais non, laissez-le faire. Oh merde, il est mort. Vivant. T'inquiète pas. Mais ça a dû lui faire mal. Merde, pourquoi est-ce qu'il voudrait faire ça? C'est pas possible. Il a l'air mort là. Wow, par contre lui il a l'air bien vivant par contre. Macro PK Rocky. Comment on fait pour le faire revenir jusqu'à nous? C'est quoi ça? ABC, tout simplement, faut que je la baisse. Plein d'énergie activée. Plein d'énergie activée. Ok. Let's go. Alors, je sais pas pourquoi je sens le gros truc arriver. Il va falloir que je tue des gars avant qu'ils atteignent. Non. Je sens le gros truc arriver. Non, ça va pas se passer ça. Peut-être que je suis en train de devenir fou. Tout simplement. Il y a un gros port qui vient de roter. Je crois que je suis dans la merde. Oh, vite. Il est mort ou pas? En fait, c'est un boss lui. Ah. Ok, nickel. Merde, j'ai plus de trucs pour le... J'ai plus rien pour ça. Oh, on va éviter. Ah, j'aurais peut-être dû voir ça plus tôt. On va se soigner par contre. On récupère ça. Ça c'est ballot ça. Il faudrait les réparer avant de les rouvrir, mais on manque clairement de temps. Sans moteur en état, nous dévierons de notre orbite d'ici 10 heures. Je ne comprends pas qui a bien pu faire ça. Si c'est un de ces enfoirés d'unitologues cinglés, ça va saigner. Anderson disait qu'il viendrait. Il fallait pas le laisser vivre. La ferme Denver. Et passe-moi le matos. Il s'enfuit. Il s'enfuit ou il va revenir? Petite sauvegarde. Et oui les amis, nous allons nous arrêter ici. Heureusement, on est arrivé à une sauvegarde pile poil à l'heure du dîner. Bon allez, j'arrête les conneries. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, le liker et mettre un petit commentaire. Moi ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ça vous a plu. Moi ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.